Allez, je sais que c'est pas simple, mais faut que t'avances, Louise. Ça veut rien dire, ça. Mais tu vas pas rester comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais, enfin... Enfin, c'est bizarre, et mais je comprends pas... T'es là! Mais la vie continue! Ouais, ça va, elle chouchoute, c'est un coussin. J'ai un bleu, là. Bah, vas-y, montre. Bah, fais voir. Putain, merde, mais comment tu t'es fait ça, Louise? Je sais pas. J'en sais rien. Je me prends toutes les portes, j'arrive pas à marcher, Mais fais gaffe! Mais je fais pas exprès! Va voir Docteur Neuf. Non, je vais pas voir Neuf. Bah, moi je l'ai vu, Docteur Neuf, et je suis enceinte, quoi. Ça m'angoisse, ce vide. Ouais, mais regarde-moi quand je te parle. Pourquoi tu retournes pas au cimetière? Parce que... Et toi? T'as été voir Neuf? Non. Mais je me cogne moins. Ah bah ça, c'est super. En fait, c'est depuis que j'ai réalisé que... Bah, quand je suis dedans, je me sens mieux. N'importe quoi. Si, si, je te promets. Ça me fait complètement flipper, mais je t'assure, c'est vrai, Manu. En fait, je sens mieux ce qui se passe quand ça se passe dans mon dos. Viens, on fait un test, comme ça tu vas voir. Non, non, on fait pas de test. C'est tout ce que t'as trouvé pour qu'on parle de toi au lieu de ma grossesse? Non, mais ça n'a rien à voir avec ta grossesse, on en parle tous les jours de ça. Que ton corps est tourné vers demain et tout ça, je trouve ça magnifique, mais c'est juste... Ok, ça me saoule. C'est bon. Je me rappelle, quand t'es redevenu normal, hein? Je comprends rien. Son téléphone. Merci. Personne vide d'eau, c'est complètement con. Ça a pas l'air d'aller. Si, mieux, mais enfin... C'est compliqué. Bah, je sais, j'étais comme toi au début. C'était dur, je me sentais jugé tout le temps. Ça s'est arrêté quand, ce début? Quand j'ai rencontré les autres. Les autres? T'es pas toute seule. Enfin, t'es plus toute seule, Louise. C'est-à-dire? On est nombreux et je crois qu'on existe depuis toujours. Une sorte de société secrète? Pas totalement secrète. Plutôt discrète. Hey, bah Bruno. Ouais, bah désolé, j'ai pris le bus dans l'autre sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Louise, je te présente Bruno. Bonjour. Ah. Enchanté, Bruno. Ça va, tout va bien? Oui, super, merci. Ouais, ça fait plaisir que tu sois là. Hein. Ça fait un moment que j'entends parler de toi. Ah, tu vas voir, Louise, c'est fou. Il y a un avant et un après. Moi, c'est pas compliqué, ce groupe, ça m'a transformé. Mais attends. Ça transforme tout le monde. Hein. Moi, par exemple, tu vois, au début, j'étais passionné par rien et j'avais l'impression d'être moyen dans tout.
Et puis un jour, j'ai réalisé. J'ai réalisé que je tournais pas le dos au mur, mais je regardais celui d'en face. Et là, il y a eu un déclic. Du coup, je le sens. Je suis à l'aube d'un truc, là. Et puis ces rencontres, ces réunions, ça me donne juste plein d'idées. Mais en vrai, pour vous, c'est pas un handicap de pas être comme les autres ? Attends, mais qui est-ce qui te dit que c'est pas les autres qui sont différents ? Qui marchent à contresens ? Pourquoi la majorité devrait avoir raison ? Nous, on affronte un autre point de vue. Moi, j'avance. Toi, t'avances. Enfin, on avance, quoi. On est une équipe. On se quitte plus. La France de dos. Moi, j'adhère. À partir d'aujourd'hui, on est unis. On a besoin de toi, et puis bon, bah. T'as besoin de nous ? Quoi ? Tu me crois ou tu me crois pas ? Excuse-moi, maman. Je suis quand même pas con. Non. Par exemple, les Égyptiens. Tu vois les Égyptiens ou pas ? Oui. T'as déjà vu des hiéroglyphes dans ta vie, non ? Oui. Bon, bah voilà, les hiéroglyphes, tu les vois tous. Tu as l'impression qu'ils marchent comme ça. Ça te paraît pas bizarre de les voir marcher tous comme ça ? Bah oui, mais. La main à l'arrière, c'est un gouvernail. Ça leur permettait juste de se déplacer et de pas heurter d'autres personnes. Mais non, mais tu te fous de ma gueule. Mais non, je me fous pas de ta gueule. Pourquoi je me foutrais de ta gueule, évidemment. Mais il y en a plein des Ésopes, des musiciens. Et des musiciens, tu les as jamais vus. Bah, je sais pas qui, par exemple. Michael, le non. Ça me dérangeait pas. Non, mais ça va, tu vas pas sortir de chez toi dans cet état-là. En tout cas, toi, t'as l'air... Enfin, ton dos a l'air en forme, c'est cool. T'étais allée voir Neuf ou pas ? Non, pourquoi ? Non, je sais pas, je me demandais si c'était pas contagieux, là, ton truc, là. Mais non, Manu, pas du tout. Ok. Je sais pas, je me suis tapé un flip. J'ai envie d'aller au cimetière. Et j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Je voudrais lui présenter le petit. D'ici là, tu seras guéri, et en plus, c'est cool. Ça va, me regarde pas comme ça. Les autres sont pas avec toi ? Si, ils arrivent. On aurait pu rester tous les trois. Comment il va, le petit prince ? Écoute, il a l'air bien comme ça. Mais oui, il est bien comme moi. Merci d'être là. Et nous irons des cerises plein les poches. Et nous irons.
irons à l'envers, à l'endroit où l'on dévale, où l'on cavale, et nous irons des cerises plein les poches. L'aube nous trace une route d'étincelles, la pluie nous lave.